Bon, nous allons préparer un deuxième morito. Bon, allez, non. Pour les du broc, après, ils diront que c'est moi. Alors, d'abord, je coupe les quartiers de citron. J'en mets trois par verre. Le citron vert. Du citron vert. Parce que la connaisseuse là, de morito, qui est déjà son premier, qui est déjà saoul, tu peux la filmer pour bien la voir. Ça va, non. C'est pas vrai, café. Coucou, mamie. Tu vas bien? Tu n'auras plus à boire. Au poil. Alors, à poil? Au poil. Marie, à poil? Vous prenez de la menthe. Fraîche. Ben, pas de la synthétique, ça n'existe pas. Vous la secouez un peu pour remuer un peu les arômes. Je l'ai vu sur Upi. Ouais, mais c'est la poivrée. Ah ouais, ah ben, à mon avis, elle connaît encore mieux parce que je me souvenais plus de ça. C'est vrai, c'est la poivrée. Je suis incertain, t'as pas regardé. Garde. Ça va, arrête. Alors, on est 8 à 9 feuilles par verre. Ou bien lui. Pour dû avoir déjà le coup normal. Aujourd'hui, c'est malheureusement possible. Demain, avec la production... Et comme vous voyez, il y a un verre qui manque parce qu'ils ne veulent plus me donner à boire. En cours d'études et de travail au Sénat. Bien sûr, bien. Donc je répète qu'il y a une loi un demi, quand interdit même. La publicité tapageuse, frivole, mensongère, comparative. Tu aurais du lait, ma mère. Moi, tu vas me donner du lait à la vanille. Alors, ensuite... Vous mettez trois quartiers de citron vert par verre. Va délimiter le champ d'esthétique médicale qui sera réservé au seul médecin. Et d'autre part, on va limiter les compétences des praticiens. Est-ce que ça signifie qu'il n'y aura plus de contrôle chez les prestataires avec des c'est vrai, il ne faut plus que tu boives de mojito aujourd'hui. C'est-à-dire que si. Voilà. Alors. N'importe quelle personne qui n'est pas médecin. Je ne vais pas mettre du sucre. Alors, il y a quelqu'un. Ah, voilà, ma bouteille. Voilà. Le sucre de canne. Alors, donc, il est conseillé 2 centilitres de mettre de sirop de canne. Vous prenez une petite pinte à goutte. Qu'est-il en mesure d'exiger tout budget confondu? Ah, mais je suis en train de déplorer. La première chose, c'est de vous verser dans chaque verre. Je suis vous. Les titres et la compétence nécessaire pour poser l'acte qu'il a posé. Et donc, je pense que le message... Alors moi, rien qu'ajouter ça, ben, pour moi, c'est pas suffisant, c'est pas assez sucré. Moi, je préfère du sucre normal avec. Donc, c'est du gros sucre. Ici, bon, on avait fait la première fois avec du sucre normal, ce qui est très bon. Ici, on va tester avec du sucre un peu plus gros, parce que c'est Cathy qui veut un deuxième. Oui, non, c'est... Attends. Non, c'est pas bon, que Cathy. Hein. Cathy, voilà, je te mets ton sucre. Voilà. Ah, mais ça, c'est le mien. On voit le médecin étranger qui paye moins cher. Et alors, double ration dessus. Mais c'est pas des vraies cuillères. C'est un peu plus petit qu'une cuillère normale. Donc, vous comptez une bonne cuillère normale à café. C'est des cuillères de Dina. Voilà, de Dina. Pour les petites filles, c'est à ma mère que j'ai eu ça. Voilà. Et c'est toi qui l'as pris. Alors, vous prenez un pilon. Et alors, vous pilez un peu. Pas aller trop fort. Faut pas écraser la menthe. Hein. C'est juste pour histoire l'arôme. Qu'elle remonte. Voilà. En attendant, vous verrez toujours bien que ma mère est toujours pionne. C'est pour ça que vous remarquerez qu'il n'y a que 3 verres et pas 4. Alors, tu veux bien chercher la glace? Oui, parce que bon, il faut mettre de la glace pilée dans les verres. Mais en attendant, on va déjà préparer. Elle a eu un peu dur à avancer. Tes barrages ont été très divisés. Alors, je prends du Bacardi le brun. Pour nous, il est très bon. Ma mère qui rigole. Je mets ma douce. Tu vas gagner plus d'argent, aller acheter des produits.
Ça représente la quantité, un tiers de rhum pour deux tiers de Perrier d'eau gazeuse que vous pouvez rajouter après par la suite. Celui-ci, ah bah. Et vous constatez, les ivrognes ont déjà vidé la bouteille. Arnaud, ne pense pas que tu vas en avoir un petit. Ah, même pas le verre du fond, c'est le tien. Non, c'est celui-ci. C'est celui du fond, c'est Cathy. C'est celui du mieux. Jours après avoir envoyé l'argent, la tomate. Tu cherches à saouler la présidente. Il s'agit d'une poudre à mélanger avec de l'eau. Mais tout, tout. Voilà, c'est réparti pour les trois. Alors, mettez la glace pilée. Une bonne petite poignée dans chaque verre. C'est pour que le mojito soit bien froid, parce qu'un mojito, ça doit toujours être bien froid. Et c'est de la glace pilée que sa mère l'a fait. Ça, ce détail-là, on en a rien à serrer. Ah bah c'est gentil. Voilà. Et après, quand j'ai épilé la glace, on m'a dit pas trop. Pendant un tournage. Pas trop, hein. C'est sérieux. C'est sérieux. De quoi? Elle a bu qu'un mojito. Ça fait peur, les gens. L'effet est garanti. Vous me croirez maintenant que ma mère est insortable. Alors, vous prenez du Perrier ou une boisson gazeuse. Moi, je préfère le Perrier parce que voilà, parce que si c'est les autres boissons gazeuses qui sont trop fortes, faut pas prendre de boisson gazeuse, il faut prendre le Perrier parce que si vous prenez une autre pétillante. Je suis même prête à lui lancer la bouteille. bon, après, je vais devoir mettre un petit icône en dessous, moins de 10 ans, parce que bon, ça va être trop violent. Donc voilà. Ben, mais moi, tu l'avais déjà prêté l'autre. Je savais que Cathy venait. Les chefs, je peux avoir une vanille. Alors, c'est une fameuse fiole et bien nous, voilà. Toutes le même dosage de toxines. Et ensuite, une fois que c'est préparé, on touille. Prenez une cuillère et vous remuez bien pour que tout soit bien mélangé. Mais tu as failli dire touiller. remonte le citron qui est en dessous, là, tu la remontes. Voilà, comme ça. Ben oui. Ça ne m'étonne pas, à part que quand vous achetez un produit, sachant peut-être les origines, je suis très âgé. Ça se sent pas, mais je suis très âgé. Ne vous inquiétez pas. Évidemment, toute personne. Mais le maman va dire. Faut juste, voilà, je remercie juste que c'est chez moi, parce que il n'y a pas d'escalier à monter, parce que autrement je devrais pas. Mais ton deuxième mojito va te rendre zen. Voilà, mon deuxième mojito, enfin notre deuxième mojito va nous rendre encore plus zen. Astrid, tu rates quelque chose. Hein. Enfin, surtout de voir ma mère qui a pionne des jambes. Oui, t'as une lâcheuse, Astrid. Voilà, lâcheuse, tu m'as abandonné toute seule. Regarde, maintenant, je pleure. Voilà.